بسم الله وكفى وسلام على عبادي الذين اصطفى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والغفران. Bonjour. Nous allons voir la deuxième verset de ce chapitre Hud. Que la paix d'Allah soit sur lui. Il dit: فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. Et le groupe des gens qui vont être malheureux de façon extraordinaire, ineffable, on ne peut pas décrire leur malheur. فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق. Ils auront toutes les douleurs, toutes les lamentations, tous les déchirements, toutes les nostalgies les plus effroyables. Vraiment, c'est infernal. C'est le mot relatif à l'enfer. Donc, les soupirs, les respirations troubles, etc. Les grandes émotions les plus effroyables, etc. C'est-à-dire pour l'éternité, tout ce malheur-là, et ces malheurs-là, au plus juste, la Khalidina fiya ma damat as-samawati wal-ard illa ma sha'a rabbuka inna rabbaka fa'al ma yurid lima yurid. C'est-à-dire, peut-être il y a une issue après des milliards d'années, une issue, par exemple, ou bien ils disparaissent de l'existence, ou bien ils seront transférés vers le paradis, parce que Dieu il est toujours miséricordieux. Khalidina, il dit dans un verset, c'est-à-dire sa grâce, elle est pour toutes ses créatures. Elle est très vaste, elle est très grande, elle a une grande importance, elle a une répercussion sur tout. Khalidina fiha ma damat as-samawati wal-ard illa ma sha'a rabbuka inna rabbaka fa'al lima yurid. C'est-à-dire Dieu lui seul fait ce qu'il veut, ce qu'il entend faire, c'est uniquement Dieu qui peut le faire. Et nul ne peut le juger, et nul ne peut stopper son jugement. La volonté divine, elle est associée au verbe divin. Et la rabba ka fa'al lima yurid, lui seul ne sera pas jugé. Wa amma alladhina sa'idu, c'est-à-dire su'idu, c'est-à-dire les gens qui ont été rendus heureux par ce jugement dernier. C'est-à-dire le lieu de repos et de jouissance, c'est le paradis. C'est-à-dire ce don-là, il ne sera pas arrêté, il ne sera pas coupé, il ne sera pas amoindri, etc. etc. C'est-à-dire qu'il n'y aura jamais de frustration là-bas. Aucun malheur, aucun malaise, etc. etc. Fala taku fi miryatin mimma ya'budu ha'ula, c'est-à-dire, ô Muhammad, que ma paix soit sur toi, ne sois pas en état de doute à propos de ces fausses idoles. C'est rien du tout, c'est de la pure magie, le pur mensonge, et vraiment c'est du domaine du délire. Fala taku fi miryatin, ils sont ensorcelés par des thèmes et par des mythes qui n'ont pas droit à l'existence. C'est-à-dire, ils ne sont pas validés. Rien n'est validé sauf cette religion-là, l'islam. Tout ce qui est autre, il n'a pas de validité, il est nul et sans importance. Non avenu. C'est-à-dire, ces gens-là, ils n'ont rien à donner de nouveau. Ils n'ont rien à donner d'expérience, d'une nouvelle expérience. Ou, comment dirais-je, ils ne trouvent rien de meilleur. C'est-à-dire qu'ils végètent toujours dans un état de lamentable, d'insouciance et d'ignorance. Mais là, tu as compris, mais il y a tellement de gens qui ont été là. Mais il y a beaucoup de gens qui ont été là. Mais il y a beaucoup de gens qui ont été là. Ici, le paganisme, c'est le summum de ce qui vraiment n'évolue pas, le summum de la rigidité, de l'inflexibilité. Les gens qui ne
veulent rien changer. Vous voyez que cette troupe-là, elle ne mène à rien, sauf comment dirais-je, aux échecs ici-bas et dans le delà. فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل. C'est-à-dire, ils sont reliés à leur ancêtre d'une façon automatique. Ils n'ont rien à ajouter, ils n'ont pas de volonté, ils n'ont pas de perspicacité, ils n'ont pas de volonté libre, etc. etc. فلا تك في مرية. Donc, le seul progressiste, c'est l'islam. فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء. Vraiment, c'est. En étudiant toutes les civilisations, toutes les cultures, on trouve toujours que ce qui est autre chose que la soumission de Dieu, c'est toujours la même chose, c'est toujours les jeux, c'est toujours les mensonges, c'est toujours l'insécurité, c'est toujours l'injustice, c'est toujours le mensonge, c'est toujours le mal-être, le paraître, et jamais un bon être. Donc, la seule chose authentique, c'est la voix de Dieu. فلا تكن في مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإن لموفوهم نصيبهم غير منقوص. C'est-à-dire, ils auront leur salaire, mais vous voyez bien, c'est un salaire négatif qui va faire du grabuge, il va faire vraiment beaucoup de malheur et beaucoup de douleur. إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإن لموفوهم نصيبهم غير منقوص. C'est-à-dire leur lot, leur portion, leur comment dire, part du gâteau sera très amère et très vraiment destructrice. À tous les points de vue, que ce soit spirituel ou intellectuel ou affectif ou social ou matériel ou sexuel, tout est dans le négatif. Regardez bien lorsqu'on est en mauvais rapport avec les bons. Comment on vit une vie de chien et plus que vie de chien. Mais ces gens-là, au jour de la résurrection, ils seront dans un état pire que ça. Voilà quand Athéna Moussa. Maintenant, on va voir quelque chose qui a trait à notre prophète bien-aimé Moïse, que la paix d'Allah soit sur lui. Voilà quand Athéna Moussa qui tient, c'est-à-dire Dieu lui a révélé la Torah. ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم إنهم لفي شك منه مريب. On a vu ça. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته منه ورحمة الله.